Merci beaucoup Bandeko. Dans la union so babonné et téléspectateurs à Genor TV. Na pesibino, merci pour la fidélité nabino. Et ça ndeko nabino Franck. Franck Osvaldo. Na plateau ya Tolo Belango. Tolo Belango et ça plateau ya émission au Tolo Belaka to Bourdaka presque ba question et belé. Oyo ezota la politique ya mboka nabiso. Yango combo ya émission yo et ça Tolo Belango ndenge bomona kango na plateau na biso na sewana bakomi Tolo Belango. Et donc to abordaka ba question e belé awa. Tolo Belama kambo e belé mais ligne éditoriale na biso eza politique. Yango toza trop focalisé na politique ya mboka na biso parce que Maxime ko lobby soko s'intéresser na politique té politique ko s'intéresser na yo. Parce que même na cuisine ya mama politique ezali. Même na église politique ezali partout politique eza politique ezali parce que so politique amboka eza malamuté makamu nyoso ekoboaté. Voilà bolanda ki lelo je crois batebele o bazana kisasa mususu balandi ngo na live mususu bazaki sur terrain marche ya ba opposant o balinga ki ko sala marche bolimbi sabiso mamuke momo kwa sigaza. Et pas ma voisin, à ce salamon makele, le logo la bato son baïsika, ne makele lo bozoka, bo tenir biso vraiment rigueurité. Bolanda otozo loba. La mouka El Fayulu bas organisé, naba moukwege, naba candidat moussousou, ba organisa ki marche na bango, bien que marche wana ezalaki interdite, na hôtel de ville, pe na ministre ya intérieur. Mais bas santete, basali yango, malgré basali marche na bango, Mutumoka kufite policier bancadré ba militant la muka malamu na siège ya SID bancadré bango bien to enregistrer kamoko ya DCT eloka ya malamu otokoko ko sepela nango yango wana parce que etango ndeko Kabila zaki na pouvoir e banda ko sale maté marche jamais na période à Kabila et ko sale mapena bo du début jusqu'à la fin. Bois registré à Kamoukoua DCT. Mais les lots avec Fachi, ils ont salement. Ils ont salement. Bango Bazo Sala marche, Bassengi, Seni, annulé, élection Oyo. Question à Nazo continue à tourner à Bandeko. Ata ce qui va procéder, l'annulation, il y a élection. Bassali élection Moussoussou, les élections les plus transparentes du monde. Bakiti si Pesa, yé soit kitike, yé moko, a organisé l'élection Wana. Est-ce que Fayulu a Zobafa Ebele a gagné Tshisekedi? Est-ce que Mukwege a Zobafa Ebele a gagné Tshisekedi? Est-ce que Pasteur Théodore Ngoyi? Est-ce que Zobafa Ebele a gagné Tshisekedi? Est-ce que Bango Nyonso wana ba koza vraiment Zobafa Ebele a gagné Tshisekedi? Question mark. Et ça va dilatoire. Ndelonga na comprendre bango souci na bango souci ya opposition na Senko na minute ezanine eza que tokende na glissement banile élection parce que tango ba ko annuler élection lokola discours na bango bandakala ezalaki que bavana na mesa ba négocier ba toke na glissement ba organiser bien ba élection entre temps négociation wana et ko déboucher na partage ya pouvoir. Premier ministre à cause la opposition, président à cause la fatigue anda au continuer et puis ministre intérieur bakopé sa mutu mususu société civile, ministre de défense que ne soki pas banane ba nous discuter pour na ba ministère wana mususu. Calcul ya ba opposant yango wana parce qu'il savait déjà banda kalaki. A lire ce que d'abando kené nango na ba élection pesa bo ba gagné été. Ezo rappelé ngai scénario o le kaka na Rwanda. Période ba bumaka biarimana. Avant babo mabiarimana tango rébellion ya Kagame bauti Uganda bazo ya po ba renverser Juvenal Abiarimana avant ki na entrée bo côté aéroport côté ya aéroport à Kigali ba pesa bango espace wana bavanda ki parce que oni à l'époque azalaki ko jouer négociation balingaki ba ekende na guerre tel ko déjà si ba yaki déjà ba ekina minduki ba ina guerre au lieu ba renverser Abiarimana ba kende kaka na élection Abiarimana kutu nde muto a proposa ki yango Abiarimana nde muto a proposa ki alobi na oni au lieu bango baya ba détruire mboka to bunda to betana
bande ko na biso ne ba okufa toke na bitumbate toyo kanakaka to organiser ba élection to sala ba élection comme ça o yaza makasi a gagné to tikala na mboka to vana na kimia wane zaki idée ya Juvenal Abiarimana président o azaki na pouvoir azaki utu Kagame na batune bandima kinan après na kati na bango ba dissident moko ba rejeta ki idée wana ya Abiarimana. Ils se sont dit biso tozana makasi to meki déjà armé ya Abiarimana to sentir que baza pina makasi te to pe ko renverser régime ya Abiarimana to zo pe pouvoir au lieu to fléchir na idée ya Abiarimana que to partager pour to sa l'élection o ya ko gagner a gagner mais to kende suko to partager pouvoir to pe sa na ba ministère to travailler na kimia tout ça non. Biso tozana capacité ya kozoa pouvoir nyoso na Rwanda parce que tozana armée makasi eza soutenu na ba américain bazaki na sima pe na Uganda. Uganda zaki na sima. Au lieu to ke na ba partage ya pouvoir na ba utu wana to ke ndeka na force to benga na bango to zo pouvoir comme ça biso moko to diriger pays. Nde ba Kagame na ba mususu ba eko fléchir bandimi de wana ba moni keza génial. Nde ba orchestra ki événement na bango na ti ba attaquer avion Abiarimana kufa na crash wana ba koti na mboka ba bandi génocide boyebi suite nango très bien nde ide o ba opposant bazan nango ils ne veulent pas les élections parce que ba comprendre déjà que soto ke na élection Félix a gagné. Exemple ya Rwanda na zoli yango nini parce que ba tutsi o ba utaki u Rwanda ba banda kobanga bazalaki minoritaire ba yebake ba utu bazai belé na Rwanda ba tutsi bazamuke alors loko tozamuke atatoke na élection lelo élection peza ya bien transparente to ko gagner ngote et soto perdre na élection nous serons fragilisés. D'où, toke ndeka na Minduki, loko tuza na force, nous sommes soutenus, to renverser régime Abiarimana, parce que Mobutu déjà ba pekisa kiye, a s'ingérer na makambo ba Rwanda. Moye a kende ko ide, pire petit na Abiarimana, ezalakite. Abiarimana, sko pire vienne à confiance, ezalakite Mobutu. Mobutu déjà ba empêche ye, po a s'ingérer na makambo wana. Et entre temps, rébellion ya Rwanda, ezo ya Paul Kagame, bango bazo ya na soutien ya Museveni. Le coba soutenait qui peut Museveni na maki, Museveni a eu pouvoir, basu ba ministère, ba Ougandé, après ba eko tombo kabino, ba tombo basa ba Rwandais d'après tout. Malgré que ba ida ki biso poto zo pouvoir, mais basa ba Rwandais, toko zana bango awate, ba occupé ba ministère union stratégique, défense, intérieur, tout ça non. Ce que nous pouvons faire, c'est de les aider, baso ngape na Rwanda, baso pouvoir. Alors, Bazaki déjà une alliance ou un Museveni. Bazaki sûr qu'il va corriger ce régime, il y a bien Rimana. Babo il y a une élection parce que Bazaki est belété. Il y a un des opposants peut comprendre que ils ne sont pas populaires. Ceux qui va qu'une élection, va qu'on gagner était, ceux va gagner était, et s'il y va qu'on la fragiliser, parce que nous on a tenu quatre opposants on a 5 ans, Bazaki déjà 5 ans. Basa la 5 ans mususu ba Francis Kalombo ba nani bango nyoso ba kovanda katumbi la rekosi la ye parce que ba Francis Kalombo wana bango nyoso po baza la lezi fo bando bimishaka pesa bango muke la rekovide katumbi po 5 ans eza mukete ba dépense kozala 5 ans ya liboso na debi azayi na partite ayo sa la parti na retard siko 5 ans oyo aza deja na parti. Donc il faut faire vivre parti wana na ba cadre ya parti wana. Donc ekozala mo matata. Yango moni baza ko tenir mordicus que élection et ça les maté. Comme ça bakende to ke na imbruglio boko boye to connaître vide juridique. Alors na vide juridique wana ba bakene sko na ba négociation, ba partager ba pouvoir, ba musu bazo ministère, ba bazo boye tout ça, bazo éviter chômage wana. C'est ça les calculs. Ce que FCCP côté naie na Kabila bango bazali na calcul na bango est différent na calcul ya ensemble na ba Fayulu na ba mususu calcul ya FCC zalaki ke bango ba ko participer te
Pourquoi? Parce que bye bye que John Numbi Azali, bye bye que non Nanga Asake déjà kuna. Parce qu'il y a un plan, il y a qu'on créer rébellion pour renverser Félix. Alors ceux qui va participer à l'élection et que Félix a gagné, cour constitutionnelle a confirmé Félix, il devient légal. Ce mandat sera constitutionnel, il sera protégé par la constitution. Et là, FCC na Kabila, bakoza la lissu suna courage penza, il y a côté le mela, Félix était pour koluka ko renverser y était. Ba okena oka na voie diplomatique, na voie démocratique, na contestation, ba manifestation, mais wana ba yebi que ça possibilité parce que ba okokate ko ko ça la ko ko sensibiliser ba tout pour qu'il fasse la rue. Non. Parce que bakolo balabala ezaki une peste ko bango bazana pouvoir. Donc ba yebi ba technique wana. FCC ba meka ki yawa bloc patriotique na Fayulu ya la muka et Simba kité. Ba meka ki ba goûter, ba sentir pena que non. Na lire ya balabala e ko Simba té. Pona ko za pouvoir o na maboko atiseke di il faut to ke na rébellion. John Numbi ezaki déjà kuna préparé koto nanga déjà na mission entre-temps baza en contact na M23 parce que Kabila a une histoire à M23 bientôt matato kita. Tomatato kita bwento ayebi histoire ya M23 très bien. M23 bazaki na kini bango tango balongo SNDP avant bakoma M23 bazalaki na kini basala bakoro na bango ya 23 mars wana bayokani kibaya bamusu ba insérer ba intégrer bango na ba institution bamususu ba base la soki élection salami comme ça ba postuler mais SNDP est comme nanu parti politique. J'étais à Kinshasa. Nasina lobango déjà. Ba réunion na bango ezalaki mingi na Académie de Beaux-Arts. Mission yo na ko balancer le bino. Moi ba vidéo et belé. Ya ba déclaration. Ya ba ndeko na biso ya Katanga. Hein, ba déclaration na bango. Bango moko. Na ko balancer le bino moi ba imagine boko landango. Ya liboso eza ya Mwando Simba parce que ye muto atumbi Zamba. Yenda tumbi Zamba. Mwando Simba asali ba déclaration moko oyo nako décrypter yango awa au cours ya émission oyo. Parce que après déclaration ya Mwando Simba, madame gouverneur Jilingungwa ya Tanganyika a répliqué à répondre Mwando Simba. Oui, asali pena réplique moko musclé. Na déclaration Mwando Simba Bokolanda Mwando Simba Bokolanda madame wana Jilingungwa asali réplique musclée bandeko mususu ya ensemble basala ki bazoki photo ya madame wana bache na basali affiche moko bache madame Julie bache na Katumbi ba publier ngo balobi ke Jilingungwa aza candidate na liste ya ensemble tant na mona ki yango na réseaux sociaux non ezaki ndeko moko ya Tanganyika ne mtu atindela nga yango tant na tali yango nga oh. Jilingungwa lisusu ensemble ndeni yaza mutu ya IDPS. Nabite. Nani makite nga bon. Ezaka ba ensemble kande balingai ba. Ba sape honneur ya madame Jilingungwa. Asali réplique moko musclé. Asengi na bandeko ya ensemble. Ba on nyoso bako contester ba résultat oyo seni ako publier oyo cour constitutionnel ako confirmer. Période moko ko pesa mela bango ya ko kende ko saisir cour constitutionnelle lokola juge de contentieux électoraux mais bango baboyi parce que boko landa pe kamitatu pe na déclaration na a rejeté net communiqué au set kikunya tangaki pona bango baboyi option ya ko kende ko saisir cour constitutionnelle na ko expliquer bino pourquoi. Bon, j'ai la branché na Genor TV, mais bon partager d'abord lien. Bon aimer vidéo. Ceux qui sont abonnés, s'abonner. Tiki la biso abonnement na yo. Parce que makambo niyo sona lobiawa. Toko landango et puis na ko balance libino ba vidéo wana ba déclaration na bande kwa katanga bitumba na bango moko boko landango. Très bien. Les gens na ba katangé oyo bazo comprendre makambo facilement. Loko ba madame wana Jilingungwa gouverneur ya Tanganyika. Alors nous sommes na King a balancé le biso Mwando Simba tolandana nous Mwando Simba tolandaye na déclaration na ye
Boyo Kamondo Simba très bien parce que déclaration Oya Sali est incendiaire. Est vraiment incendiaire. Toyokaki qui bacheli bache déjà na résidence surveillée. Si tel est le cas, en tout cas on a quoi applaudir. Parce que ce que j'ai dit mutu mususu na wa comprendre mais pas Mondo Simba. Ancien ministre il y a plan na régime Oyo. Awa na régime Oyo. Auti ko longa gouvernement calaté. Mais bon, on a une déclaration et puis on a le décryptage et la déclaration de Mondo Simba. Mais Azamale, na débit, à l'objet qu'il agit au nom et pour le compte de son président Moïse Katumbi. Il est malin. Il est malin. Voilà, tu as après. Devant vous, pour un message important, venant de notre leader Moïse Katumbi Tshabo. Je salue d'abord les partis partenaires RGD en vol et les autres partis amis qui nous accompagnent. Chers cadres et chers candidats de Ensemble Alternance Avançons, nous sommes ici réunis parce que c'est un moment de combat. Je tiens au nom du président du parti à vous remercier d'abord pour le travail que vous avez abattu. Le combat que nous avons mené n'a pas été vain. Ce combat nous a conduit à la victoire. Cette victoire mais par irresponsabilité, Kadima veut me voler aujourd'hui la victoire. Chers combattants, cette victoire ne nous pourra jamais et alors jamais vous être volée. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, au nom du président Moïse Katumbi Tshabo, de vous tenir en ordre de bataille. Lufulu Mweke. Comment on peut arriver au niveau où chaque personne de l'Union Sacrée a une machine à voler dans sa chambre? Chers amis, comment on peut arriver au niveau du Katanga? On ouvre le bureau de 17h à 21h. Dans mon village à Mopa, on ouvre le bureau à 18h pour le fermer à 21h pour baisser le taux de vote. Et après, c'est le bourrage des urnes. Il y va du sérieux de la République. La res publica, la chose publique. Notre État qui est devenu un État de moquerie. Et le combat ne se vaincra pas seul par Moïse Katumbi, par Matata Mponyo, par Franck Diongo, par Fred Kikuni, par tous les partenaires qui nous accompagnent. Le combat va se mener avec le peuple, notre peuple. C'est pour ça que nous demandons à ce peuple de se tenir debout. C'est pour ça que, en tant que haut représentant de Moïse Katumbi dans le grand Katanga, je demande à tout le Katanga de se tenir prêt au combat, prêt à la bataille, prêt au sacrifice suprême, parce que notre terre, la terre de nos ancêtres, la terre de Moïse Tshombe, la terre de Bouss Kalimo, la terre de Toumo Koumanza, notre terre ne nous sera jamais volée. C'est nous les fils. Et j'attends que mon père change moi de Simba du plus profond du sommeil où il est, nous accompagne. Parce qu'il nous a laissé la force.
pour notre pays. J'appelle toutes les provinces du Congo, le Kasaï, le Bandundu, le Kivu, la province orientale, l'Équateur, Kindu, et partout où les Congolais sont, il n'y a pas un bonheur personnel. Chacun d'entre vous doit attendre le mot d'ordre de notre commandant qui va vous parler et qui va vous dire demain, levez-vous, parce que si vous ne levez pas, personne ne peut ne fera votre part. Faisons barrage au folle, faisons barrage à l'injustice, faisons barrage à la pauvreté de notre peuple et faisons un avenir meilleur. Je crois Boulandi Mono Simba. La première des choses, Mono Simba dit qu'il agit au nom et pour le compte de son président Moïse Katumbi. Il est très malin. Très malin. C'est-à-dire Makambo Yaye Koloba. Ce n'est pas lui qui en est responsable. Le responsable moral de ce que lui a dit, de cette incitation-là, ce n'est pas Mono Simba, mais c'est Katumbi. Et donc, Mono Simba, dans cette occurrence, il est considéré comme responsable matériel. Mais c'est Katumbi qui est responsable intellectuel. Waneza, élément liboso, auto-décelé, na déclaration, il y a Mono Simba. Il dit, il demande aux Katangé de se mettre en ordre de bataille. Il dit, mettez-vous en ordre de bataille. En politique, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire, Mono Simba Katumbi a tindi à l'objet qu'il n'a préparé ma soda. Qu'il n'a préparé ma katangé, bitumba et bandit sikoyo. Parce que quand la période de Mokoyo, Tolandi Gédéon Kyungu, à sa déclaration, à Sengi Bakter politique, nous sommes espace Katanga, Sengi Bao et Bazan armée, au Bazan Soki na gouvernement, au Bazan Soki na assemblée, Bango Nyonso, va se retirer, Baya, Nsima, ya Gédéon Kyungu. Comme ça, Bakata Katanga, je dois que comme président de la République du Katanga. Bonjour, ma déclaration de bandit comme ça, qu'on refaire surface. Si vous avez un peu de sous, vous avez un ancien ministre, il y a plan. Vous avez la déclaration, vous avez un peuple, mettez-vous à l'ordre des batailles. À mon humble avis, j'estime que Mono Simba baza déjà na plan. C'est que baza na Mindouk, baza na Babachette, baza na Biloko tout. Basi ba préparer, si ko yé Mono Simba ya yé kakapo na ko préparer ba katangé. Ko stimuler bango, ko motiver bango pour que baza la prêt. Que na moment moko boyé ba ko distribuer ba armes blanches, bakozana ba machette, bakozana na ba mbeli, bakozana ba biloko na tout ça comme ça, bakendena. Bosiko, deuxième question, on a naza komituna. Ba se mettre à l'ordre de bataille. Bataille wana sikoyo, c'est contre qui? Qui est leur adversaire? Parce que jamais mutoko kende na bitumba sans que adversaire azala, ennemi azala. Mutoko kende yemoko na bitumba ta kende ko bunda contre yemoko, non. Ce qui mutoko kende bitumba, azo kende pona ko bunda contre un autre adversaire. Ou azako présenter menace pona vinaye to pona mboka naye. Ce koyo ba adversaire ya bande koyo esa banane. Et ça, banani? Question mark. Question mark. Mono Simba dit Lufu Lumweke. Waneza na kilubakate. Lufu Lumweke. Liwa Emonana. Ou Liwa Emonani. Liwa Emonani.
C'est-à-dire loi ils a déjà pembeni. Donc to kende so pona kokufa, to kufa. C'est ce que ça veut dire. Bon, tant que vous avez dit, non, n'a pas dit la déclaration madame Gilles Ngungwa, vous avez dit que expliquer bino ako répondre mon dossier ma place au malam. Parce que tant que vous avez dit, l'ouf ou l'oumweke, est-ce que mon dossier ma cause à la balabala, est-ce que Katumbi pas cause à la balabala? Ce qui fait de ça, bimi, soit la police et bimi, est-ce que bana ya mon dossier ma cause à la balabala? Madame Gilles Ngungwa, nde a correspondre Mwando Simba. Mwando Simba dit chaque personne à l'union sacrée a une machine. Mais nous avons une union sacrée. Je n'en ai pas. Mais to, na émission mon atela qui binoa. Bon mon équipe ba machine à voter na batobela Katumbi. Bon mon akiango. Waneza eza ba aventure au bande ko na bazo sala. Mon Simba dit, je demande à tous les Katangais de se tenir prêts au combat, au sacrifice suprême, parce que notre terre, la terre de nos ancêtres, de Moïse Tshombe, de Kyungu, notre terre ne nous sera jamais volée. Ah, donc Katanga Ezaya Bangalate, Katanga Ezaya Baswahili ya Kivute, Katanga ezaya bakasayete, Katanga ezaya bakongote, Katanga ezaya mono simba. Mais awa tozo lobela ba élection générale ya Kongo Mobimba. Comment ya koki kobenda ngo kolongola ngo na Kongo Mobimba ti a circonscrire yango na Katanga. Et pourtant eza makambo élection générale et salami na Kongo na ba province nyonso. Mais il commence d'abord avec la terre de leurs ancêtres qui est Katanga. La terre de Kyungu, c'est pas la terre de Mobutu, c'est pas la terre de Tshisekedi Mulumba, ce n'est pas la terre de Lumumba, ce n'est pas, c'est la terre de Kyungu. Akumwaza, la terre. Nous comprenons déjà l'intention de ces gens de ensemble. Nous les comprenons. Ces gens ici préparent un chaos. Ils préparent, c'est pourquoi dans leur bouche, il y a toujours le chaos. Mais la journaliste britannique, belge, madame Colette Brackman, mais il a rejeté ça, ce chaos-là, elle a dit qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de chaos. Selon yé, élection et salami malam. Malgré ba irrégularité ou pas sous les vagues au biso peut toujours ko soulever na ba émission na biso kadima yemoko à reconnaître yango. C'est normal, le Congo est vraiment mastodonte. Tous on a problème ya ba infrastructure routière, tous on a banzela pendate, tous on a ba village mususu yemu tozolo ba o ya tikalo kendete biso kené na ba village mususu peza boye nzele zate ya tikalo kendangote. Congo eza munene. Mais la journaliste là, elle est pro-ensemble, pro-opposition. Mais quand même, il y a un monarque qui est observateur. Elle a dit la vérité. Ce qu'on a dit à l'Union européenne, même ce qu'on a dit à RFI, tant que vous avez dit, il y a marche, il y a la mouka lelo. RFI, non, France 24. Mais on sentait que le langage est comme modéré. Langage journaliste il y a France 24 modéré bazolo bela marche mais façon bazolo belango bazako contredire tout ce que les opposants disent sur terrain pas journaliste il y a France 24 va contredire bango et font là c'est normal c'est propre aux opposants c'est normal mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent c'est vrai. C'est pas vrai. Après avoir parlé de leur Katanga, Mono Simba maintenant va parler des autres provinces. Il va lancer l'appel aux Kasaïens de les rejoindre. C'est quoi? Question à nous tous les abos. Déclaration Mono Simba Oyo. Batuloko la Basesanga, Baza Bakasaïen. Francis Kalombo, Aza Kasaïen. Mike Mukebayi,
Aza Kassayen. Bazay Belé. Bazay Belé. Il y a espace Kassay, Ozui, Maître Laurent Onyemba, tous ces gens-là. Bazay espace Kassay. Bazay Belé. Bazay Belé. C'est quoi tant que nous avons une famille politique moko, oyo, ba leader ya famille politique wana, chaque fois que ba soka parole, il ne parle qu'au nom du Katanga. Il ne s'adresse qu'au Katangé d'abord. Et après, c'est vous. Après, c'est vos provinces. Ça vous fait quoi? Et ça, la cabine, n'est nini. Daniel Safou Boutimouni, Zakongo, moi, Natata Simo Kimbangu. Ozana Katia, famille politique, Moko, chaque fois qu'a soubani Koloba, d'abord les Katangé. Katanga Yetu, notre terre. Mais et pourtant, Bitumba Bino Bozo Bunda, au côté ya Katumbi, c'est pour le Congo. Daniel Safou Lobé la Kaloubumba cité. Daniel Safou, chaque fois qu'il prend parole, il parle la RDC. Il défend les intérêts de la RDC. Malgré ma comédie naïe, ou ya salaga, salaga, tout ça pour yé, moi, tout l'andaye, puis déjà, Daniel Safou, tout l'andaye souté. Pour que mon a taqué, attaqué, Tshisekedi, soga, yinde lié, à reconnaître quand même que Tshisekedi est président. A Kanissi, il dépêche, tant qu'on a eu des pêches, il y a eu des pêches, il y a mais l'ensemble, tant qu'on a kindaki, a batté ma kiawa. A soga, il y a le côté. Il y a déjà bête à Biloko, en même temps, on a fini avec ma maman, ah, attends, on a eu des lacs et le soussou. À ce qu'ils a qui à reconnaître pouvoir, il y a Tshisekedi, tout, à ce qu'ils a qui n'a eu. Donc, il y a Zamou Tumoya, ce qui me bêtise, à Dasuke Lio. Moi, je suis là, désaté. Mais, à ce que moi je sache, Daniel Safou, quand il prend parole, il ne défend pas Katanga. Il défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Mike Mukebai, quand il prenait parole avant qu'il ait prison, il parle le Congo. Ce que nous avons dans la structure moko, hein, famille moko politique, le leader parole, chaque fois il ne parle qu'au nom de Katanga, de Katangé, il ne s'adresse qu'au Katangé d'abord, après la province Nabino, Congo, Kasai, Bandundu, tout ça. Mais vous êtes dans une histoire comme ça. Vous vous sentez comment? Cette déclaration au monde aussi m'a sali. Et c'est que vous avez dit, est-ce que vous étiez vraiment content? Prochaine marque. Il dit, faisons barrage à la misère, à la pauvreté de notre peuple. Ah! Nakamo tandenge bakundo, bakamoka. En sauter. En sauter. Nakamo tandenge ba ekonda, ba fali poupa, ba mama Micheline Chabani bakamoka. En tout! Et condamné ça, ndayoki. Et condamné naka mwatende bande kwa na bakamwaka. Antoué. Mais ce n'est pas normal. Mais c'est bientôt ministre des plans. Kaka na gouvernement sa malukonde o yonde kone katange. Ministre ya plan bayama. Ah! Pas même une année. Oyauti alongo na ministère wana pas même une année. Siko yende mutazo loba, il faut abarrer route na misère, na pauvreté, ya peuple. Mais quand lui était dans ce ministère là, qu'est-ce que Mondo Simba avait fait pour les Katanga d'abord, pour les grands Katanga, qu'est-ce qu'il a fait? Lelo soki n'a tout ni moi notre ma question. Aïbisanga, il sait que lui avait fait comme ministre. Ah oui, Sabisoni, les réponses n'y ont pas Sabiso. Nasengi na King, atelanga Madame Julie Ngungwa à répondre moi dans Simba parce que Madame Aza gouverneur ya Tanganyika. Moi dans Simba, senga ki na bakatangé nyo se espace Katanga. O Katanga, Olomami, Tanganyika. Na lwalaba bango nyonso
parce que tant besoin de la République du Katanga, et ça va province en Agnon. Si comme madame Oyaza gouverneur, il y a Tanganyika, Baba lancer l'engaye comme ça, Tolandaye, après Tozonga, Tokoza le Soussou, cadre Moussoussou, notable Moussoussou, il y a Katanga, cadre, il y a Anafek, Tokoza le Soussou déclare, parce que Yepé a réagi, Laurence Kyungu, Kibwe Lolo. Aza notable ya grand Katanga. Il a aussi fait une déclaration pour na ko répliquer na déclaration ya Mondo Simba. Mais tout l'andana nos gouverneurs, madame gouverneur Jilingungwa. Tout son après. Bonsoir peuple congolais. Aujourd'hui ce soir, je viens répondre à la déclaration de M. Christian Mwando, qui m'a tellement touchée en tant que maire, en tant que gouverneur de la province, en tant que haut cadre du parti politique, UDPS. Vous avez suivi ses déclarations, il a dit ceci. Si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé, il demande à la population katangaise, la population du Grand Katanga, de descendre sur la rue. Et moi, je me suis posé autant de questions, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que Mwando était ministre du plan. Il a joui seul. Il a pris combien de jeunes Katangais dans son cabinet. Et aujourd'hui, ils ont perdu le pédale. Mwando descend à Lubumbashi et parle au nom du grand Katanga. Et il incite la jeunesse katangaise de descendre sur la rue si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé. Moi, aujourd'hui, je demande à la population katangaise, particulièrement à la population tanganikaise, de ne pas suivre la manipulation de M. Mwando Simba. J'ai hâte de vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'enfant de Mwando Simba n'est pas dans ce pays. Et je me pose la question, les jours que vous allez descendre sur la rue, est-ce qu'il sera avec vous? Et quand vous descendrez sur la rue, c'est pour croiser qui devant vous? Vous allez croiser la police, vous allez croiser l'armée, vous allez mourir. Et ceux-là qui sont morts dans l'ancien temps, ils ont été récompensés? La réponse, elle est non. Et moi, en tant que mère, qui, chaque fois, nous sentons la douleur d'enfantement, j'exhorte cette jeunesse de ne pas être ou de ne pas céder à la manipulation de M. Mwando, de ne pas céder à cette manipulation-là. Dites non à la manipulation. Si ils ne sont pas satisfaits par rapport à la proclamation des résultats, je demande à l'ensemble de descendre à Kinshasa, de saisir les instances compétentes pour faire des réclamations, mais ne pas demander à la population, à la jeunesse katangaise, de descendre sur la rue pour revendiquer à leur place. Au moment où leurs enfants, leurs familles ne sont pas avec nous ici dans ce pays. Mine bambia ivi mo batoto katanga. Mouchi cédé comme manipulation à ta moya. Monsieur Mwando, il y a une année ou six mois, ali quoi ministre wa plan. Pas l'air quoi ministre wa plan, ali quoi na jouir y peki. Mais après, on a démissionné, soi-disant que non, union sacrée a ina muzuri. Mais Léo, ananza kufanya ma déclaration, ya kusema, batoto ya Katanga, ya grand Katanga, mushuke, kama ensemble, a se remporter victoire. Mena, shiku ya kushuka, munjia, batoto yake batakuwa, au na ye mnye watakuwa, au batoto yabo batakuwa, au nipaka shie batoto, ya aba benye tunabakiaka mukongo, njo tushuke munjia, tukufe, bazazi yetu babake na uzuni. Mina sema antanke muzazi. Na ile uzuni yetu, bale bari kufuaka zamani, baneshaka kupataka nini? Paske bazazi banabakia tina leo na manunguniko wa batoto abo bali kufa. Alors, j'interpelle encore la jeunesse katangaise. Et pourquoi seulement nous les katangais? Qui allons revendiquer? Parce que la province, le pays a 26 provinces. Pourquoi seulement le grand Katanga? Cet esprit-là de nous manipuler à tout moment. On n'est plus d'accord. Vous nous avez manipulés dans l'ancien temps. Peut-être on n'était pas
informer ou aviser, mais cette fois-ci, nos enfants sont avisés. Ils ne feront pas aller revendiquer à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, si vous n'êtes pas satisfait. Nambi abatoto wa Tanganyika, mwaka mupya imeanza, tuko na chunga mafeti. Je vous souhaite une bonne année 2024. Que cette année soit une année de réussite pour nous, de prospérité et de longévité à tout le monde. Merci. Tolani madame. Madame Jilingungwa Seloye, asengi na bandeko ya ensemble. Bao nyoso ya lamuka, bao nyoso bakoza la d'accord tena ba résultat oyo kadi bako publié, bakende ko saisi ba juridiction compétente. Cour constitutionnelle, même ba cour d'appel, pour na kaya ba élection, ya ba député profession. Bokende ko saisir ba juridiction wana compétente. Mais si koyo bandeko ensemble, ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Na imsek bino na debi ki na ko expliquer bino. Tango token élection to outi une élection 2018. Fayulu oya bandeko kanisa ke yende muto gagna ki. Aza ko réclamer ou a déclencher ki guerre ne ya vérité des urnes. Fayulu azu initiative. Il y a quelqu'un de saisir la Cour constitutionnelle comme juge des contentieux électoraux. Moïse Katumbi, selon Bango Moko Baloba Kiango, Moïse Katumbi na Francis Kalomo, Babenga ki Fayulu, Baebisi Fayulu, quelqu'un de saisir Cour constitutionnelle, te parce que ce qu'on saisir Cour constitutionnelle, au légaliser victoire, ya Fachi. Ce qu'on lingi au poursuivre la guerre, non, la vérité des urnes, ignorer cour constitutionnelle, ni kendele dandenge na yo. Fayou la lobby te, ngayi fona kende ko saisir cour constitutionnelle parce que Senko a lobby azana ba preuve. Senko a induira ki Fayoulou na erreur parce que Senko a déclaré ki kandenge ba bandi lusubu, ne ba salaki. Kandenge ba bando, non, tozana ba preuve, tozana na ba résultat, tozana ba résultat, ba bandai ka boye lusubu. Mais devant cette juridiction compétente, Senko abimisaki ba preuve en été. Il y a victoire à Fayulu. Senko abimisaki yangote ba PV o Senko zaki nango tomona yangote. Ba komo tout na Fayulu, Fayulu azotinda ko repas Senko. Tomona yangote. Awa Fayulu na yogi risu ke Fayulu lobi muto abeta li solo ge vérité des unités. Nzamba bikamo mbogo pesa donc Fayulu pena pekisi batugo a pekisi pesa bato abino mutu moko te na Congo abeteli sur la vérité des urnes parce que ngainde naza peria vérité des urnes bon moten tsege ya kolobani a pekisa bi mutu moko te ayiba ide wana zwango. Nous aurons tout vu dans ce pays. Alors le ko la Fayulu akenda ko saisir la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle à Luamba est validée victoire à Tshisekedi. Katumbi a eu ce fallu, a eu ce qu'on a mis. Ce qu'on a mis au vérité des urnes, ils ont la place parce que Ozaki n'a procès ou n'a verdict bimi à faveur et adversaire. Le col à Katumbi n'est mon tapé qui saki Fayulu. C'est comme ça que la tour n'a eu à l'ingisco que ça l'est la idée néoana. Alors, il n'y a aucun de saisir cour consonnelle. Kamisa t'a dit que c'est le bango. C'est comme madame a tini bango bakende. Parce que, en droit, nous disons, c'est tout, en droit administratif, les compétences sont d'attribution. Ndenge toza seni, azana compétence naïe. Cour constitutionnelle, azana compétence naïe. Gouvernement est en compétence nango. Assemblée est en compétence nango. Et donc, chaque institution est en compétence nango. C'est ça. Il y a un seul bolandi na ba principe, il y a pouvoir judiciaire. Vous comprenez que j'appelle un principe, il y a répartition des fonctions judiciaires. C'est-à-dire, cour et tribunaux
Et ça n'a pas compétence nango. Ba parquet, ça peut n'a pas compétence nango. Ba greffier, ça n'a pas compétence na bango. Barope, bavoka, nakor ya ya ba défenseur judiciaire, bazape na ba compétences. Donc en droit les compétences sont d'attribution. Dans ces cas sous examen, la juridiction compétente susceptible de connaître les litiges électoraux, les contentieux électoraux, c'est la Cour constitutionnelle. Et au niveau provincial, nous avons les cours d'appel. Ce qu'on s'occupe au lobby en tant que légaliste, en tant que légaliste, parce que ce que Foyol avait fait en 2018, c'était normal, en tant que légaliste, respectueux des règles, quelqu'un qui aspire à devenir président. Mais quand tu prends une décision comme ça, non, c'est pas normal. Je crois, pour le reste, Nazoche Labino. Ma déclaration, ma négociation sera tanga. Voici sa nouvelle mission. Merci beaucoup. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, tout les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Ce recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décriée dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose, suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment raisonnablement peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus $1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir.
détruire le pays parce que X n'a pas été voté, mais finalement, c'est un problème. Nous devons avoir l'amour de la patrie. Nous devons avoir l'amour de notre pays. Je dis aux jeunes ceci. Si vous, si quelqu'un ou un groupe d'individus vous envoie au vandalisme, à la mort ou quoi que ce soit, vous dites non. Où sont d'abord vos preuves? Si vous avez des preuves, amenez les preuves. Nous voyons qu'effectivement, ça a été triché ou je ne sais pas comment là. Et nous, les jeunes, nous lui dirons, mais va à la cour constitutionnelle, va à la cour d'appel. C'est la seule ou le seul endroit où on peut trancher toute contestation électorale. Ce grand Katanga est une portion de terre de la RDC. Ce n'est pas un autre pays ou ce n'est pas un pays à part. Nous sommes tous des Congolais partout où nous sommes. S'il vous plaît, chers jeunes, usez cette fois-ci de la sagesse, de votre sagesse, de dire à tous ceux-là qui vont vouloir vous mettre là comme des chairs à canon, qu'ils vous amènent d'abord des preuves. Nous n'avons que la RDC comme pays. Il n'y a pas d'autre pays. Le Katangé, s'il vous plaît, nous avons tous voté. Alors, attendons, voyons, observons les résultats. Si il y a des Katangais qui ne sont pas d'accord avec les résultats, cela ne veut pas dire qu'ils doivent brûler Babylone. On est fatigué avec du sang inutile. Regardons en face ceux-là qui veulent nous amener quelque part comme des chairs à canon. Est-ce qu'ils sont comme nous? C'est pour nous, c'est pour notre avenir. Nous serons aussi comme eux. Il n'y a pas de spéciaux. Si quelqu'un se croit plus spécial que l'autre, ça veut dire que c'est un extraterrestre. Si c'est un Congolais qui aime sa patrie, c'est le moment de lui dire que non, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, je n'accepte pas. On en a fait assez, mais maintenant, plus question, nous sommes tous Congolais, un point, un trait. Konika chile ikase mwana mulu mekuitela apotre se fosika songo nsanki wantanda wa meso wana kumviji tumbaki ondo mulangula balele musume lunji ngwe turbion kisamamba la bobolo zia nonsi mkonkolanka su konkolakane ya bayuka etant president national de la fondation katangaise je viens aujourd'hui samedi mettre en garde tout politicien qui a besoin d'utiliser la jeunesse, les envoyer dans deux rues pour marcher et manifester à cause de leurs intérêts égoïstes et personnels. Tous les miyoua politiques, les moukonafanya, à moufanya politique, tu as intérêt communautaire, moukonafanya politique, tu as ma intérêt à ma famille et nous, ma intérêt à ma nyumba et nous. Nous avons besoin de la paix au Katanga. Quiconque, celui ou la tatouma bantou, marcher contre communauté Fulani, contre tribu Fulani, il va nous retrouver, Mouma Isayaki. Tout qu'on a besoin, il y a pour ici, mon cohésion nationale, la cohésion pacifique dans ma communauté Yote. Vous, politiciens, qui utilisez les jeunes à cause de vos intérêts mesquins, tribalos, ethniques et sessionnistes, nous disons, nous resterons un et indivisible. Quittez la politisation de nos communautés. La communauté katangaise doit rester et demeurera apolitique. Celui qui a besoin d'utiliser la communauté et la fondation katangaise pour ses intérêts politiques, moi étant le président national de la fondation katangaise, je vais m'occuper de lui. Je dis et je vous remercie. Thank you.